Bon, du coup, je reviens vous expliquer un petit peu. Je suis bloqué dans la partie salle de bain, toilette. Le plombier doit tout enlever avant que je puisse, on va dire, finir de casser les cloisons, etc. Donc là, pour l'instant, j'ai juste enlevé la peau extérieure de placo parce que de toute façon, les encadrements de porte sont plus au bon endroit. Donc, il va falloir refaire du raillage. Et plutôt que de rajouter un morceau de placo et de risquer d'avoir des fissures, je préfère tout enlever. Vu qu'il n'y a pas de laine de verre à l'intérieur, ça me permettra de remettre la laine de verre aussi. Idem ici, comme ça, ça sera plus facile pour continuer ma cloison. Vous avez vu aussi que j'ai eu enfin la livraison de placo. Donc tout ça, c'est commandé chez Point P. La livraison à l'étage, c'est vraiment du bonheur. Donc j'ai passé 1h30 à tout décharger. Bon, j'en ai un peu chié, il y avait plus de 2 tonnes. Mais au moins, tout le placo est là. Je ne sais pas si vous allez bien voir à l'écran, j'ai l'impression que si. J'ai poncé le crépi du plafond là où il y aura les rails, tout simplement, pour que ça soit plus facile après de faire les bandes. De toute façon, il faudra que je ponce tout le plafond. Mais ça, on verra un peu plus tard. Mais par contre, c'est un enfer à poncer ça. Franchement, le crépi de plafond, c'est une horreur. Je suis à la girafe, grain 80, et franchement, c'est un enfer à faire. Je pense que pour faire les 6 mètres linéaires que j'avais à faire, j'ai dû mettre une demi-heure, trois quarts d'heure facile. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à monter des cloisons. Ça faisait longtemps, ça m'avait manqué. Donc ici où je me trouve, ça va être un bureau. On va renforcer bien comme il faut au niveau acoustique. Première étape, on trace au sol l'emplacement des rails. Ensuite, on va reporter ça au plafond. Et c'est parti!
Qui a oublié d'acheter des vis de 35 en bande? C'est moi. Et où sont les vis de 35 en normal, pas en bande? Derrière cette plaque. Joie et bonheur. Pas filmer le tirage de gaine, c'était un peu long et en fait il n'y a pas grand chose à filmer, on va dire. Donc pour ceux où je pouvais, j'ai déjà passé les fils dans les gaines, il y a déjà du pré-câblé pour les prises et puis donc il y a des gaines en attente pour tout ce qui va être RJ45 et puis télérupteur ou des choses où j'ai pas encore les fils. Donc je passe de la gaine de 20 partout, comme ça c'est plus simple. Ah, je voulais vous montrer quelque chose aussi que j'ai utilisé pour repérer les câbles électriques et qui est super pratique. C'est ce petit appareil, alors je sais pas comment ça s'appelle. Je pense que vous pouvez le trouver sur Amazon, il me semble que je l'avais acheté là-bas. En fait, je connecte ça sur un circuit que je veux repérer. Là, en l'occurrence, ça, c'est le circuit du lave-linge. Donc, j'ai fait ça pour tous les autres. C'est pour ça que vous voyez des petites étiquettes, comme ça, je sais où est-ce qu'ils vont exactement. Je l'allume, je le mets en mode scan et vous allez voir, c'est magique avec le petit récepteur ici. Donc là, pour moi, il y a de grandes chances que le lave-linge, ça soit celui-là. J'appuie sur le petit bouton de détection et ça devrait biper, en théorie. Voilà, et ça c'est super pratique parce qu'on voit que si je fais la même chose sur la prise du haut, eh ben, c'est pas relié du tout. Donc ça c'est vraiment génial, ça détecte partout, même dans les boîtes de dérivation. Par exemple ici, on le fait toucher un câble et ça bip, alors que si on touche un autre câble, ça bip beaucoup moins. Donc on arrive vraiment à retrouver le câble exact. J'avais découvert ça sur un compte de, je crois que c'est Vasil Loubricoleur, Loubricoleur de l'extrême comme il dit. Voilà. Eh ben, j'avais découvert ça sur son compte et franchement c'est vraiment hyper pratique. Hyper pratique. Et je suis pas sûr que je vous ai expliqué le placo, donc pour anticiper les questions que certains puissent se poser, je vais essayer d'y répondre avant que vous posiez les questions. Donc vous avez bien compris, j'ai mis deux couches de placo, comme on a fait chez nous entre la chambre et le bureau. En fait, on a fait une double cloison comme ça. Donc on a une première couche de placo blanc et ensuite du placo bleu. Un isolant de 45, un vide entre les deux. Bon, là, il est tout petit, mais ça suffira. La laine de verre de nouveau et pareil, placo blanc, placo bleu. Qui fait qu'on a vraiment deux cloisons complètement désolidarisées. Et ça, c'est top en termes d'isolation acoustique. Donc comme d'habitude, on évite au maximum les joints de placo dans les angles des portes. Donc je l'ai fait sur le placo blanc parce qu'on s'en fiche, c'est le placo du dessous. Mais celui qui est dessus, donc là, le bleu en l'occurrence, pas de joint ici dans les impostes. Ça évite que ça fissure dans le temps et même parfois, dans très peu de temps, ça peut fissurer. Donc ici, je vais faire un faux plafond. Donc c'est pour ça que les gaines sortent à ras du plafond. On va faire un faux plafond le plus petit possible pour pouvoir y passer les gaines, mettre des spots. Et puis voilà, du coup, j'ai plaqué l'autre côté aussi, mais je crois que je vous avais montré. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il me restera à mettre une cloison ici avec la porte. En tout cas, moi, je vais pouvoir mettre un peu d'isolant, joie, bonheur et masque.